Bonjour, du coup je m'appelle Clément Pradel, je suis de formation un travailleur social, je me destinais à devenir directeur d'EHPAD et pendant mon stage de direction pour devenir directeur, ça m'a donné envie de créer mon entreprise, les constats que j'ai pu faire sur le terrain. Concrètement, du coup, le projet que je porte, c'est un projet qui s'appelle 360 aujourd'hui, qui s'adresse principalement du coup aux seniors dépendants et isolés. L'idée est de proposer un service aux structures en se basant sur la réalité virtuelle qui permet en fait à des personnes, grâce à l'immersion qu'elles proposent, d'avoir ce sentiment de voyage, donc de permettre à ces personnes qui aujourd'hui ne peuvent plus sortir d'établissement de voyager à nouveau grâce à la réalité virtuelle. Mais pas seulement, on ne veut pas se limiter qu'à la question de l'animation, mais on veut aussi pouvoir développer de nouveaux usages autour de la réalité virtuelle pour les personnes âgées, notamment sur les questions avec des visées plus thérapeutique, notamment comme je disais tout à l'heure, pour lutter contre de l'angoisse, contre du stress, contre des troubles du comportement. Donc, concrètement, comment ça se passe, pour le dire rapidement. Donc c'est former les professionnels d'établissement à l'utilisation de la technologie. C'est proposer bien sûr des contenus qui seront adaptés aux personnes âgées, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui sur la réalité virtuelle. Donc bien leur proposer des contenus qui sont vraiment adaptés et les diffuser via une application, elle aussi adaptée aux professionnels et aux seniors en termes d'ergonomie, etc.